Bonjour à tous, l'indice CAC 40 termine la semaine sur une note positive. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce vendredi, on retrouve Saint-Gobain. Le spécialiste des matériaux de construction a bondi malgré la publication pour le premier trimestre d'un chiffre d'affaires en repli de 5,8% sur une base comparable à 11,3 milliards d'euros alors que ce dernier est ressorti meilleur qu'attendu. Airbus, l'avionneur, a de son côté perdu du terrain après avoir dévoilé pour le premier trimestre un bénéfice opérationnel ajusté en repli de 25% à 577 millions d'euros. Par ailleurs, le groupe a relevé son objectif de cadence de production doit d'être 350 à 12 appareils par mois en 2028 contre 10 par mois prévu précédemment. Vinci, un acteur mondial des métiers de concession, a publié pour le premier trimestre un chiffre d'affaires en hausse d'environ 5% à 15,7 milliards d'euros et confirmé ses perspectives annuelles. Le reste de l'actualité avec Total Energy, le groupe d'énergie a fait état pour le premier trimestre d'un résultat net ajusté en repli de 22% à 5,1 milliards de dollars. Unibail, Rodamco, Westfield, la foncière spécialisée dans les centres commerciaux, a fait état pour le premier trimestre d'un chiffre d'affaires proportionnel en hausse de 10,5% à périmètre constant à 942,8 millions d'euros. Valeo, l'équipementier automobile, a fait part pour le premier trimestre d'un chiffre d'affaires en hausse de 2% à périmètre et taux de change constant à 5,43 milliards d'euros. Accor, le groupe hôtelier, a publié pour le premier trimestre un chiffre d'affaires en hausse de 8% sur une base comparable à 1,23 milliards d'euros et réitère ses perspectives pour la période 2023-2027. Et puis Rémy Cointreau, le groupe de spiritueux, était bien orienté suite à la publication de ventes trimestrielles dépassant les attentes, notamment grâce à une dynamique favorable en Chine. Enfin, Safran, le motoriste et équipementier aéronautique, a publié pour le premier trimestre une progression de son chiffre d'affaires de 19,1% à 6,22 milliards d'euros. À New York, Sabrina Calgiosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.